Salut à tous, c'était ZB et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau glitch sur GTA Online en 1.20 pour faire de l'argent en illimité. Alors avant de commencer, si vous pouviez laisser un petit like et passer sur la chaîne d'Oranger qui m'a aidé à faire ce glitch, c'est une nouvelle méthode qu'on a trouvée. Enfin, en soi c'est pas une exclue, mais on a trouvé une méthode pour faciliter le glitch sur Allgen et vous allez voir qu'elle vaut vraiment la peine d'essayer. Donc pour ce glitch d'argent illimité, ce qu'il faudra faire c'est avoir deux garages au même endroit. Donc moi par exemple j'ai les deux Eclipse Tower, donc je pense que vous devriez faire la même chose, c'est l'endroit où le glitch réussit le mieux. Donc vous devrez demander à votre ami donc de vous dupliquer un véhicule donc de son garage, donc de préférence une Illegi, c'est le véhicule qui marche le mieux avec ce glitch. Et aussi votre ami devra avoir une arme qui a beaucoup de balles et de préférence avec un silencieux. Alors ce que vous allez faire, vous allez prendre donc une Illegi. Je vous conseille de prendre une Illegi comme ça vu qu'on va détruire la voiture pour le glitch. Si ça foire, bah vous ne payerez aucun frais en gros pour la récupérer dans la mutuelle. Donc vous sortez avec l'Illegi. Et donc là vous allez dire à votre ami donc de placer sa voiture donc exactement comme dans la vidéo, de façon à bloquer la porte et aussi de mettre donc en accès véhicule passager. Donc ce que vous allez faire, vous allez donc vous placer avec votre véhicule, vous allez avancer donc de façon à ce que ça vous demande donc de rentrer, donc de choisir un garage, et là vous allez faire rond. Et donc maintenant votre ami en gros va devoir se mettre avec son arme et commencer à tirer au-dessus de votre pneu gauche. Et en fait, quand il va commencer à vous tirer dessus, ça va vous remettre le message pour choisir un garage. Et en fait là vous n'allez plus voir votre voiture et vous allez dire en fait que votre ami vous fasse un signal que quand la voiture commence bien à brûler, et bah en gros il vous dit go, et là vous choisissez le garage et en gros ça va vous faire donc comme dans l'ancienne méthode, votre véhicule personnel a été détruit. Alors à partir d'ici vous allez vite sortir du véhicule et donc vous téléporter dans l'autre véhicule en faisant triangle le plus rapidement possible. Et pour que ça marche mieux, pour que vous ne soyez pas éjecté du véhicule, je vous conseille de spammer la touche L1. Donc pour faire des fuck ou sortir une arme et tirer, et ça va empêcher votre personnage d'être sorti du véhicule et ça va vraiment vous téléporter dans le garage. Donc une fois que vous serez téléporté dans le garage, donc de temps en temps on peut pas sortir tout de suite avec le véhicule vu que l'accès est sur passager, donc comme vous voyez dans la vidéo, bah tout ce qu'il faut faire c'est prendre un véhicule qui est déjà dans votre garage, sortir avec et ensuite re-rentrer, et là quand vous serez rentré, bah vous pourrez ressortir avec le véhicule dupliqué. Donc comme vous voyez c'est bien une duplication, hein. On voit que les plaques sont exactement pareilles. Donc voilà, là ce que vous pouvez faire c'est tout de suite aller la revendre au Los Santos Custom. Donc celle que je vais revendre va être à peu près revendue 180 000 il me semble. Donc de temps en temps ça bypasse les 45 minutes. Mais de temps en temps vous ne pourrez pas revendre la voiture, alors je sais pas du tout pourquoi. En gros si vous en dupliquez 3 vous pourrez en revendre une ou deux. Donc ce que je vous conseille de faire c'est dupliquer un full garage. Et après bah vous pouvez aller les revendre et je pense que vous réussirez à en revendre 5 ou 6. Donc voilà, ça marche pas à tous les coups pour revendre, mais comme ce glitch est très facile à faire en fait, et bah vous pourrez quand même vous faire de l'argent très rapidement. Voilà, j'espère que ce glitch vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à laisser un petit like, pourquoi pas partager cette vidéo et surtout aller voir la chaîne de Ranger. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.